tout le monde, je vais entamer maintenant la suite du fursuit. Donc dans cette vidéo, je vais faire les oreilles, ajuster un peu comme il faut la bouche, etc. Ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre un morceau de mousse, je vais coller ici. Je ne vais pas le coller ici en bas, pour la bonne raison, comme je vous l'avais dit, sinon on n'arrivera plus à bouger la bouche. De plus, je vais coller les oreilles. Et je ferai la suite après. Donc je vais d'abord mettre ici, oreille, et peut-être faire ici quelque chose de propre et de beau. Petite info, je vais ajouter ici un petit morceau, car comme j'ai des lunettes rectangulaires, et ben j'ai peur qu'après quand je mets l'œil, qu'on voit une petite bosse à cause de mes lunettes. Donc je vais rajouter ici un petit volume pour que l'œil rentre un peu décalé pour que mes lunettes ont assez de place dedans. Donc je vais maintenant m'attaquer à faire ici de mettre de la mousse ici, ne pas encore attacher là à là et coller ici en haut les oreilles. Voilà ce que ça donne. Il faut que la mâchoire du bas ne soit pas trop pendue vers le bas quand on le soulève. Attendez. Comme ça. Comme ça, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici, à l'intérieur de la bouche, un morceau assez grand, un morceau de tissu assez grand pour que dès qu'on ouvre la bouche, ça prend quand même tout l'espace. Je prendrai un bout de tissu noir, tout simplement pour ne pas qu'on voit notre bouche à l'intérieur, pour ne pas casser l'illusion. L'illusion qu'on est un furry. Pareil de l'autre côté ici. Je vais ajouter encore un petit rebord ici. Et là. Ensuite, je vais tout fermer ici. Donc je prends des bandelettes de mousse. Je les colle comme ça. Tac, tac, tac. Et après, je ferai pareil pour derrière la tête. Et après, je vais m'attaquer aux yeux.